des chevaliers, les Wings, le robot Raptor. Ce sont les jouets stars de Noël. Spot télé, plan média sont les clés de leur succès. Mais un seul jouet s'est glissé sous le sapin sans aucune publicité. Il bat des records de vente uniquement grâce au bouche à oreille. Il s'appelle Diddle. C'est la petite souris qui a fait son trou face au gros matou du marché. Enquête sur la Diddlemania. Pour comprendre le phénomène, direction une école primaire de la banlieue parisienne. Il est 11h30, c'est la récré. Pour les garçons, c'est foot. Et pour les filles, c'est l'heure du troc. Un vrai rendez-vous de collectionneuses de papier à lettres. Il y en a de toutes sortes. Objectif, épater les copines et surtout dégoter les feuilles les plus rares. À l'effigie, bien sûr, de la petite souris. C'est de là qu'on fait celle-ci. C'était un truc de fille. C'est la mode. Quand on fait des modes, par exemple la mode des Pokémon ou des Diddle, et ben moi à chaque fois je collectionne des ça. Quand c'est la mode des billes, et ben on apporte des billes. Et quand c'est la mode des Diddle, on apporte des Pokémon. La star de la récré ce jour-là, c'est Léa. Sa collection fait des envieux. Hé Léa, c'est à toi ça. 7 ans et déjà dur en affaires. Oui, parce que j'ai vu une fois et que j'aimerais bien en voir. Ah non. Un saut de puce à la maison et hop. Léa retrouve sa mascotte et nous présente tous ses trésors. Il y a le taille-crayon, il y a le stylo-plume. Mais au-delà de la papeterie fantasy, Léa collectionne aussi les produits dérivés. Au total, sur la table, il y en a quand même pour 193 euros. Et effectivement, à ce prix-là, elle a de quoi se faire belle. Rouge à lèvres. Voilà. Léa ? Léa est accro depuis un an, mais c'est vraiment la folie depuis la rentrée. Je l'imprime. Même sa maman est mise à contribution. Son porte-monnaie aussi. Un vrai budget Diddle, oui, bien sûr. C'est-à-dire que sans les objets, donc je dirais vraiment tout ce qui est crayons remplacés, les caisses et les feuilles pour la collection, les petits blocs de papier, tout ça, je pense que c'est en moyenne entre 20 et 30 euros par mois. À l'origine du phénomène, ce dessinateur allemand, Thomas Goletz. En 90, il crée ce banal petit personnage pour une série de cartes postales. Sur le papier, rien d'extraordinaire et pourtant, le succès est immédiat. Aujourd'hui, la souris grignote des parts de marché partout en Europe. Nous sommes près de Lyon, au siège du distributeur français de la marque. Suivez-moi, je vais vous faire une petite visite. C'est la première fois qu'une caméra de télévision pénètre dans ces lieux jusqu'ici tenus secrets. Voilà notre petit showroom. Ce n'est pas un showroom qui est destiné à nos clients. C'est un véritable outil de travail. C'est là qu'on voit les dernières pièces qui ont été créées. Nous avons 400 nouveaux produits par an et on décline ça en collection hiver, collection printemps, collection été, etc., etc. Cette année, le chiffre d'affaires en France a battu tous les records, 70 millions d'euros. C'est presque deux tiers des ventes de Pokémon au plus fort de son succès, et tout ça sans renfort de pub. Stratégie essentielle de la marque, jouer sur la rareté des produits. Quand on veut construire une marque, il est important que cette marque ne soit pas disponible partout. C'est un choix stratégique. Ne pas multiplier les points de vente, éviter le matraquage et créer volontairement des ruptures de stock, tout est fait pour rendre accro les enfants. Démonstration en image avec Catherine, la maman de Léa. Pour Noël, la petite fille veut absolument le parapluie de la marque. Le parcours du combattant commence. J'ai toujours pas été livré. Ouais. Bon bah, on va essayer ailleurs alors. Excusez-moi, monsieur. Je cherche des parapluies. Je viens de prendre le dernier. Ah non. Désolé. Ah, vous en avez eu, vous n'avez plus. J'en ai plus. C'est la quête alors. Parce que c'est vraiment l'objet principal sur la liste de Noël et je le trouve pas. Pas de quoi en faire un fromage non plus, ça n'est qu'une souris. On m'a indiqué une boutique qui est assez loin d'ici. Je pense que j'en ai à peu près largement pour une heure de voiture, mais ça vaut le coup, je vais aller voir. Parce que voilà, c'est son rêve. Elle m'a demandé un cadeau bien précis pour Noël. Je veux pas la décevoir. Donc, dernier espoir. Et c'est reparti pour les embouteillages. Allez, courage, Catherine. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez le parapluie. Alors, 19,95€ le parapluie. Vivement la pluie pour amortir le prix. Mais à trop raréfier l'offre, la marque a été prise à son propre piège. Le marché de la contrefaçon s'est engouffré dans la brèche. Montant du manque à gagner pour la société, au moins 3 millions d'euros. Première victime, les revendeurs officiels. Exemple, dans cette carterie à Béthune.
Ce qui pêche un petit peu actuellement, c'est le textile, parce que le textile, ben voilà, on a le marché qui est là tous les lundis, et tous les lundis, on a des gens qui viennent vendre du faux. Du faux Didol, du faux textile. Ils créent même des nouveaux modèles, du jean, du machin. Vraiment du truc de mauvais goût, vraiment de la merde. Résultat, en un an, une perte de 50% de chiffre d'affaires sur son rayon textile. Eh bien, les vendeurs de faux sur le marché sont à 50 mètres de chez moi. Ils sont là en toute impunité. Ils sont 4-5, ils se multiplient en plus. Nous sommes allés voir en caméra cachée à quoi ressemblaient ces copies. Sur le marché, elles sont vendues 2 à 4 fois moins cher. Bonjour. Bonjour. Je cherche pour une petite fille en fait pour un Noël. C'est ça Lidl, hein, parce qu'elle a... Ouais, c'est Lidl, mais on sait pas... ouais, c'est Lidl ça. Le vendeur nous embrouille, nous finissons par comprendre qu'il s'agit bien de faux. Ça ressemble à 99%. De toute façon, mais le vrai, ça vaut 25-30 euros. Hein. Et celui-là, il vaut combien? Ça, c'est 5 et ça, c'est 8. D'autres vendeurs reconnaissent ouvertement la fraude. C'est pas du vrai, ça? Non, c'est pas du vrai. Ah non, sinon, ce serait marqué sur l'étiquette. Hein. J'ai mon fournisseur qui a eu des problèmes avec la douane, bien sûr, et il est en procès. Ces revendeurs risquent 3 ans de prison, plus une amende de 300 000 euros. Fait deux petites boules dedans. Chez Léa, c'est sûr, il n'y a pas de faux. Ah, si, son dessin peut-être. Ça ne serait pas de la contrefaçon, ça, mademoiselle? Bah non, parce que c'est pas une feuille d'idole. Voilà. Mais non, c'est pas de la contrefaçon, c'est du plaisir, tout simplement. Pendant toute l'émission, nous allons égrener, mois après mois, quelques-uns des autres chiffres qui ont marqué cette année 2005. Regardez la première partie. C'est le divorce le plus cher.